président du Sénégal, pays frère, hein, autant que président du CIE, et autant que président du comité des Nations Unies pour le droit annuel palestinien, et une seule, je lance l'appel aussi, parce que vraiment, je prends seulement trois mots qui a utilisé son excellence M. Babacar Sam, qui l'a dit, la société civile qui reçoit l'ambassade d'Israël, on n'est pas contre. Les relations entre le Sénégal et l'Israël, on le respecte. On respecte beaucoup la frontière du Sénégal, mais au moins le siège civil, il faut faire comprendre cet ambassadeur. Parce que si on le reçoit toujours, et surtout chez quelques marabouts, pendant le Tabaski, que je le présente, je ne sais pas combien moutons pour dire que 99 c'est le nom de Dieu, je ne pense pas que les Israéliens respectent l'islam pour présenter au nom de Dieu 99 moutons en même temps. Il y a beaucoup d'ambassadeurs arabes que je connais très bien. Par exemple, l'ambassadeur des Arabes Saoudites ou les Émirats Arabes qui présentent beaucoup de moutons, mais ils ne disent pas parce que vraiment, vous connaissez plus que moi l'islam. Nous, on donne aux mains droits pour que les gauches ne sait pas qu'est-ce qu'on a donné, ne voit pas ça. Mais lui, elle fait ça. Il faut que tout le monde comprenne, surtout la société civile au Sénégal, que lui, elle donne avec une conférence de presse. C'est seulement pour dire, ben voilà, je donne quelque chose. C'est-à-dire, c'est pas vraiment. Qu'avec pratique dans ça, mais seulement pour montrer aux Sénégalais. C'est pourquoi je dis les relations diplomatiques entre Sénégal, officiellement, on le respecte beaucoup les Palestiniens, mais au moins la société civile, il faut faire comprendre cet ambassadeur, comme tout a fait, et je n'ai pas annoncé ça devant vous, il faut qu'il fasse comprendre que non, au moment que vous massacrez les Palestiniens là-bas, nous, on n'accepte rien de votre part. Au moins ça. Donc, nous remercions son excellence Abdelrahim Farah d'avoir bien voulu répondre à cet invite de Touba TV à travers l'émission L'Air Lourd et magnifier également l'excellence des relations entre le peuple palestinien et le peuple sénégalais et vous dire aussi que nous comptons également vous accompagner en tant que chaîne de télévision Touba TV dans toutes vos actions de communication pour porter la cause palestinienne. Donc je remercie tous les téléspectateurs qui nous suivaient à travers cette émission. À mercredi, Inch'Allah, c'est Inch'Allah. Jerejef Mbokki, kon tay muy sen émission L'Air Lourd biñ len di andil ay bis ku ne tay ñu di ci waxtane li nga xamne mo xew ci aduna bi di ci samanté nak ak ci def l'islam ñu len xamne inshallah reprendre nañ émission bi ñi ngi tam wajal inshallah pour magal gi ñu jëm ay soppité yu bes ci télé bi nga xamne bi dafa sol manen bubu lepp rek pour gëna mëna liguer l'islam liguer Sénégal liguer Afrique kon ñi ngi sante son excellence l'ambassadeur donc de la Palestine ici au Sénégal et dans les pays de la région. Légui après son donc brillant exposé et ñu diko sante diko gërëm di sante tam ñi nga xamantene bi ñepp jokko nañu ak ñun muy docteur Khadim Mbacké ak docteur Bakary Sambo ak docteur Babacar Sambo ak excellent ambassadeur Babacar Sambo ak Imam Ismaïla Dem amna ñen tam docteur Mohamed Ahmed Lo bëggu na ñew tok fi ak ñun wala mu jox ko ñun waye mu am empêchement dernière minute mo tax ñewul kon ñi ngi sante bokk ci respecteur yi di sante ñi nga xamanteni bi tam ño tax ba mbir yi melni muy technicien ak cameraman yi ñepp di leen dox dajé tay ñaan yalla saxal jamm ci réew mi saxal ko ci aduna bi yépp ci Afrique té itam ñepp ñi nga xamanteni bi dañuy xex ngir jot seen ak yelleef té itam djublu ci kawel li nga xamanteni moy baatu yalla bi yalla may leen ndam yalla sammu ñu té aar ñu té sammu Sénégal sammu ñi nga xamanteni bi tam ñom la yalla tek seen loxo ci Sénégal ba ñu mëna def li nga xamanteni bi dina doon di andi jamm andi xéewal andi natanga ci réew mi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.